Et salut à tous. Bon, aujourd'hui c'était moisson sur la ferme, sur à peu près l'intégralité de la surface. Il me reste juste une parcelle éloignée où c'était à peine mûr, le grain était à peine assez craquant et la paille presque limite vert. Donc ça c'était hier. Donc je pense que je vais le ramasser quand même d'ici la fin de semaine. Il fait super chaud. On a eu la chance d'avoir un orage de 15 mm samedi dernier. Bon, l'orage s'est dispersé. Ça avait redonné vigueur à tout ce qui était sorgho. Donc je vous le montrerai si j'ai le temps de vous préparer la vidéo. Dans la vidéo de dimanche, ils avaient repris un peu de vigueur. Et là, de retour cet après-midi, c'est en train de recramer, quoi. Donc ça devient compliqué. Je m'attendais pas à ce que le sorgho quand même accuse, enfin le sorgho ou le colza accuse le chaud comme ça, il baisse vraiment les feuilles. Bon, ce qui est des céréales, rendement plutôt moyen. Bon, je m'attendais pas non plus l'extra. Ici, il y avait une parcelle, c'était troisième année de céréales où il y avait la prairie sous couverte d'un. Donc j'avais semé la céréale plus claire pour avoir de la prairie. Pour montrer un peu le résultat de la prairie sous couvert, j'ai fait quelques crushs. Mais bon, faut attendre la pluie et voir si c'est bien homogène de partout et s'il y a une jolie prairie. Ça on le saura d'ici l'automne, on sera fixé là-dessus. Bon, l'autre parcelle où il y avait des dégâts de gibier, le rendement était plus que pas à la hauteur. Pourtant c'était une deuxième céréale, mais parcelle très maigre et des conditions météo qui n'ont pas permis qu'il y ait une très très jolie céréale. Bon, gardez le meilleur pour la fin, la parcelle en semence. Où là je pense qu'il va y avoir vraiment rendement. Sinon, à vue de nez, sans vouloir, ça va de 45 à 50 les parcelles que j'ai pu faire. Après j'ai pas fait de PS vu que c'est stocké à la ferme, mais pour l'autre je vous sortirai le PS et je vous sortirai même le poids vu que vu que je passe à côté de la bascule, donc ça sera assez commode de vous poser tout ça. Donc voilà, moisson et en même temps agnolage qui est toujours bien moyen. J'ai des soucis au niveau des brebis qui veulent pas ramasser leurs agneaux. Je sais pas si ça vient de la météo ou quoi, mais c'est vraiment vraiment très pénible. Elles font les agneaux, elles les lèchent et quand ils sont secs, bien souvent elles veulent pas les ramasser. Donc c'est énormément de temps de travail, je galère vraiment. Et c'est énormément de temps de passer et du temps que je m'occupe à faire ramasser des agneaux, je fais pas autre chose. Donc voilà, les cases sont pleines, donc toutes les cases à vider et ça bourre un peu dans les cases vu que ça se ramasse pas comme je veux, c'est pas forcément le top. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo pour dimanche, mais il y a très peu de chances que j'ai le temps. Faut que j'aille presser la paille, je vais pas la presser en pleine journée parce qu'elle va être impressable. Je vais essayer de la presser la nuit. Bon, s'il n'y a pas de vidéo dimanche, je ferai quelque chose, soit un truc bref, enfin je verrai un peu selon le temps que j'ai, mais croyez-moi, c'est vraiment un peu la galère. Voilà, allez, je vous laisse. En attendant, pour les nouveaux arrivés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous laisse. Je vous dis ciao, à bientôt. Bye bye.